Et c'est parti, bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour la première de Good Morning Sacré. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue à bord. Welcome aboard, ladies and gentlemen. Vous êtes officiellement les pas bienvenus. Good Morning Sacré. Ta matinale de quartier. Animée par Valentin. Le tout en direct de Sacré. Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour la première de Good Morning Sacré. Je suis très heureux et très stressé de faire cette émission avec des invités exceptionnels que nous allons tout de suite présenter. Déjà tout d'abord, bonne année à toutes et à tous, puisque nous sommes le 30 et on peut encore souhaiter bonne année. C'est le dernier moment. Hein. Vraiment, last time. Donc du coup, nous sommes en direct de Sacré, bastion de la vie nocturne parisienne, dont on parlera dans quelques instants avec mes invités. N'hésitez pas, bien évidemment, à poser vos questions sur le chat, où nous pourrons, bien évidemment, y répondre. On va commencer par un quiz pour faire deviner nos invités. Alors du coup, bien évidemment, vous pouvez participer aussi dans le chat, hein, c'est fait pour ça. Alors, est-ce qu'on est parti? Ok, c'est parti. Le premier qui répond, bah, du coup, il a un point, on va dire. Ok. T'es prêt ? C'est parti. Je suis un trentenaire au visage très jeune. J'adore la nuit, j'ai un moulin qui va trop vite et j'ai joué aux côtés de Kerry Chandler. Je suis Martin Minier. Oui. En revanche, c'est Kerry Chandler qui a joué à ses côtés et pas l'inverse. C'est vrai. Ok. Je note. Ça attends, je note tout de suite. Moi, qui a le point ? Qui a le point ? Attends. Qui a dit Martin premier ? Ok, Flo. C'est le protagoniste qui mériterait d'avoir un point aussi quand même. Je suis bien réveillé. Ottilie ? Ok, donc moi je suis un trentenaire barbu, j'adore la nuit. Mon nom peut signifier solde en anglais et j'interview les artistes. C'est moi. Oui, non. Oui, ça c'est beau. Incroyable ce qui se passe, Ok. Pas de concurrence, hein, sinon mais réveillez-vous les gars, vous voulez un café. Ouais, Flo, il est clairement au taquet. Il a déjà deux points. Ah d'accord, donc le micro, la défaillance de micro joue dès le début de la Ok, ensuite, la dernière, bon, du coup, je vais la faire quand même, mais bon, du coup, on sait très bien qui c'est. Anatole. Je suis un trentenaire barbu, je suis un créatif né, mon prénom correspond à une station de la ligne 3, et j'ai fait une campagne qui a réussi à plus de 207%. Je suis. Anatole France. Mal à l'aise. Anatole France Ouais. Oui. Ok, on se calme sur les pads. Ok, très bien, mesdames et messieurs. Eh bien, écoutez, merci à Flo, à Martin, à Nat et à Outil d'être présents ce matin. C'est une matinale presque matinale, puisqu'il est déjà 11h. Du coup, voilà, c'est un peu à 11h, 13h. Alors, qu'est-ce que c'est Good Morning Sacré? Je vais expliquer, puis après, dans tous les cas, vous pourrez donner un peu plus de détails derrière. Alors, Good Morning Sacré, c'est une émission, une matinale, presque matinale, comme je disais, qui a lieu de 11h à 13h, où l'idée, c'est d'avoir des gens de la vraie vie, de parler avec des gens de la vraie vie dans un lieu aussi splendide que Sacré est. Et après, on va avoir une petite demi-heure de trois quarts d'heure de live avec un artiste que j'affectionne particulièrement, et qui est Kazam, et dont on écoutera et dont on parlera tout à l'heure. Voilà. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, messieurs? Ouais, c'est que t'as pas l'air stressé du tout, hein, déjà. De quoi? T'as pas l'air stressé du tout. Non, du tout. Ça va, t'as l'air détendu. Ouais, bon, ok, j'avoue. Ah, c'est écouté, arrête. Bien évidemment, n'hésitez pas à les suivre Paris 2 et Sacré sur les réseaux sociaux. Vous connaissez la chanson et l'émission sera en replay sur les réseaux de Sacré sur YouTube et bien évidemment sur l'application que vous pouvez déjà télécharger sur toutes les plateformes de streaming, you know what I mean. Ok, très bien. Eh bien, nous allons partir sur la partie talk. Et c'est parti. Donc du coup, j'ai quand même imprimé pas mal de CV. Hein. J'ai réussi à trouver vos CV chacun sur LinkedIn, histoire de quand même préparer une émission, parce que c'est un peu le taf d'un journaliste. Hein. Travail journalistique. Ah bah là, on est en plein dedans. Hein, voilà. J'ai peur, ça dépend de quel CV tu sors. Hein. Ouais, je serais curieux de savoir si les CV d'Anat et Flo sont à jour sur LinkedIn. Quand même. Ouais, ah bah écoute, véritablement, en vrai, il y a moyen. J'ai même le dernier. Vraiment arrêté. Je sais pas si on voit la caméra, mais j'ai le dernier CV de Flo. Je cherche un nouvel emploi en ce moment, c'est pour ça. Si vous voulez contacter Flo, voilà, n'hésitez pas, son CV est juste ici. Pas mal, souriant et tout. J'en ai encore un mieux. Hein. La maîtrise de Photoshop ou de InDesign, peu importe. Très bien, Martin. Eh bien, c'est à ton tour. On va commencer par toi. Alors, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur ton expérience, sur ce que tu as fait, sur ta vie, en fait. Parle-nous de toi, Martin. Qu'est-ce que tu veux savoir? Sur LinkedIn, j'avoue, j'ai vu que tu avais eu une expérience en tant que label manager, c'est Hotel Cost, si mes infos sont exactes. Exactement. Est-ce que du coup tu pourrais nous en dire et qu'est-ce qui t'a poussé à aller dans le monde déjà de la musique, de la nuit, une passion Alors en fait, c'est une super rencontre avec le duo Masumenos. Ouais.
qui est un duo de musique électronique, qui est un projet du label Hotel Coast. Okay. C'est un projet, c'est un des projets du label Hotel Coast, et eux, c'est leur label, enfin c'est leur musique vraiment underground. Et en gros, c'est un duo d'artistes que j'ai rencontré parce que je les ai bookés à une de mes premières soirées. Okay. On faisait ça au Divan du Monde. C'était un dimanche en 2010, je crois. À la mémoire. Non, il faisait pas beau, c'était en mars. Il y en a qui nous fera le point météo tout à l'heure aussi. C'était pas beau, je m'en souviens, c'était en mars. Et bref. Et donc, il y a eu un super feeling avec eux. Et moi, j'étais encore étudiant à l'époque. Et en fait, j'ai vu qu'un jour, ils cherchaient un stagiaire pour les aider sur le label. Ok. Et en fait, ça tombait bien parce que je devais trouver un stage de fin d'études. Okay. Donc, je les ai rejoints. Et puis ils m'ont embauché derrière et j'ai bossé 2 ans et demi avec eux. Okay. Donc, c'était trop cool parce que c'était vraiment les premiers pas dans la musique et du côté artistique. Et en fait, au début, moi, je les aidais vraiment sur le label, les sorties, un peu tout. Quoi. Enfin, c'était une toute petite famille, on était que tous les trois. Donc c'était, tu touchais un peu à tout. Quoi. Et puis, ils sont séparés de leur manager et de leur agent. Okay. Sur une tournée foirée en Amérique du Sud. Coup dur. Enfin, tournée foirée. En fait, ils sont arrivés dans un pays, je ne sais plus lequel, en Colombie, je crois, et le mec s'est jamais pointé pour aller les chercher, donc ils étaient un peu vénères avec leur agent. Tu m'étonnes. Et donc, on s'est dit qu'on allait le reprendre, nous, en interne. Et en fait, je me suis occupé de leur date pendant après 2 ans et demi, toute leur tournée. Et en fait, à ce moment-là, eux, leur projet marchait super bien. Okay. Ils ont fait Time Warp Main Stage en 2011. Et à ce moment-là, c'était en 2011, il y avait eu un seul artiste français qui avait fait Time Warp, c'était Garnier. Okay. Et c'était les deuxièmes artistes français à faire Time Warp, donc ils étaient méga attendus. Et puis après, quand tu fais Time Warp, après, les demandes s'enchaînent. Et puis ils ont joué, c'était 2 dates, 3 dates par semaine dans le monde entier. Quoi. Donc c'était trop cool de bosser là-dessus, c'était trop cool de bosser avec eux. Moi, je les suivais pas sur les dates parce que je restais à Paris, gérais un peu tout. C'était chambé parce qu'on faisait des soirées au showcase à l'époque. Ouais. Et puis on invitait des artistes de ouf. Et puis quand Seth Roxler venait à Paris, il passait au studio. C'est clair qu'au début, ça a bien ouvert les portes. Ouais. Non, c'était vraiment cool. On a passé des super soirées ensemble et ça m'a permis de rencontrer masse d'artistes et puis d'être vraiment du côté label et du côté artiste. Ok. Et voilà, et après j'ai arrêté de bosser avec eux tout simplement parce que je continuais à côté à organiser mes propres soirées. C'était la minimalerie. Ouais, alors la minimalerie, c'est un autre projet. Ça, c'est un projet où on est DJ et on se marre avec deux potes. D'ailleurs, il fait ses 40 ans hier, Antoine. Je lui fais un petit salut. Et joyeux anniversaire, Antoine. C'était hier soir, malheureusement, j'ai pas pu aller à son Justin anniversaire. Et les 40 ans, Antoine. Joyeux anniversaire. J'ai une info essentielle. Justin Timberlake qui fête ses 40 ans aujourd'hui aussi. Ah ouais. Ouais. Ah, putain, alors ça. Eh ben, joyeux anniversaire aussi. Je pense qu'il nous écoute en plus aussi. Ouais, donc on lui fait un petit salut. Salut Justin. Justin, ouais. Justin, all right. Et juste du coup, Hotel Coast, on est d'accord, parce que de base, c'est un label qui s'écrit, mais c'est quand même des hôtels. Ouais, bien sûr. Okay. Bien sûr. Non, mais en fait, il y a un projet, il y a une compile qui s'appelle la compile Coast, quoi, qui est un énorme carton. Enfin, à l'époque, les compile Coast, c'était triple disque de platine chaque sortie, quoi. Okay. Et le projet Masumeno, c'était vraiment la musique électro de c'est un sub label en fait d'Hotel Coast, quoi. Ok. Chambé. Ok, donc après, du coup, tu as fait cette petite expérience avec Hotel Coast en manager, label manager et autres. Et après, du coup, il y a eu l'aventure du Badaboom. Entre-temps, il y a eu un peu de freelance. Ouais, pas que, hein, parce qu'on a ouvert un club que tu connais. Enfin, nous, on s'est rencontrés avec Anat, d'ailleurs, parce que pendant que je bossais chez Masumeno, j'avais mes autres soirées qui s'appelaient Cliché. Et à l'époque, on avait booké le tourne-disque et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et ça avait lieu à Cliché. C'était Bois. Attends, laisse-moi le meilleur jingle. Ah ouais, mais trop tard, j'ai loupé le. Désolé. Ce genre de blague. Ah merci Flo, merci. Et donc du coup, Anat et toi, vous êtes rencontrés c'était avec son collectif Le Tourne-Disque, on les invitait pour jouer sur l'apéro de cette soirée. Et cette soirée, elle a grave bien marché. On en a fait pendant 5 ans. C'était sur le Concours Atlantique, c'était tous les mercredis. Okay. Et ça me prenait quand même pas mal de temps, donc j'ai arrêté de bosser avec Masumeno pour me mettre à fond là-dessus. Et puis après, en 2012, on a ouvert un club qui s'appelait le Dandy. Okay. Dans le 9e.
J'ai bossé un an avec eux et on est parti. Et je suis parti du Dandy pour rejoindre le projet Badaboom. Parce qu'en même temps que le Dandy, je m'occupais aussi du Panic Room, qui était le premier bar de l'équipe. Ouais. Et en fait, ils ont récupéré la scène Bastille à l'époque, qu'ils ont transformée en Badaboom et qu'on a ouvert en octobre 2013. Okay. Là, pour le coup, ouais, super expérience, parce que j'ai bossé 5 ans là-bas et on est parti de rien. On a eu des artistes de ouf, des super soirées, trop de bons souvenirs. C'était vraiment cool. Ok. Vu que du coup on est le matin aussi, n'hésitez pas à vous servir du jus, hein, innocent, bientôt le partenariat, et n'hésitez pas à manger aussi. Voilà, c'est aussi le but de cette matinale, c'est de boire et de manger sain. Moi j'aimerais revenir sur un post que j'ai vu sur Facebook et que je trouve qui est trop cool. Focus sur le 30 juin 2018, pot de départ with Kerry Chandler après 5 ans de bons et loyaux services. Aurélien qui poste un post sur Facebook en disant « Dernier set de mon ami Déa depuis le début du Badaboom et mon compère depuis presque 10 ans. Kerry cale ses touches, mais le guest ce soir, c'est toi Martin Meunier. À vite petit frère, je t'aime. » Je trouve que c'est magnifique. C'est le moment love, moment beau, mais en vrai... T'as forcément un jingle pour ça, non ? Ah, je peux te mettre une musique un peu romantique, j'avoue. Je peux mettre... Come on, girl. Wow. Ok, voilà. Est-ce que tu peux nous parler du coup de cette soirée et aussi de ton alias après d'artiste que tu avais et que tu as peut-être encore? Ouais. Ça n'a jamais vraiment été ma vie ou mon taf d'être DJ. Moi, je l'ai fait vraiment pour me marrer et pour le kiff. Et c'est chambé parce que vu que c'est moi qui faisais la prog, je pouvais me placer sur les soirées que je kiffais. Donc pour le coup. Enfin voilà, on a joué avec des artistes de malade et Aurélien, ouais, en effet, on se connaît. Bah, Aurélien était coproduisait avec moi cette soirée cliché. Ok. Donc je l'ai rencontré aussi sur ce bateau et on a bossé pendant 10 ans ensemble. Ah ouais. Et on est toujours en super bon terme, quoi. Donc et cette fameuse soirée, ce pot de départ, c'était la folie, enfin, parce que Kerry Chandler, c'est un artiste que j'ai voulu. J'ai galéré à booker, ça a été énormément de boulot pour le convaincre de venir jouer au Badaboom. Pourquoi c'est une galère ? D'ailleurs, tu pourras nous en dire après pourquoi c'est une galère en tant que DA, parfois facile de booker des artistes et d'autres parfois c'est un peu plus compliqué. En fait, c'est une galère, faut les convaincre. C'est un artiste qui connaissait pas la salle. Okay. C'est un artiste qui joue une seule fois par an dans une ville. Et l'autre date, il se la réserve pour un festival, donc il est ultra demandé. Okay. Et c'est des mecs qui ont l'habitude, voilà, ça fait 20 ans qu'il va jouer au Rex, il a l'habitude, quand il vient faire une date à Paris, d'aller au Rex ou d'aller forcément à Concrète, parce que pendant un moment, c'était le club où il fallait être. Et comment tu l'as convaincu ? Ça a été 2 ans, je pense que ça a été bien un an et demi, 2 ans de discussion avec son agent. Ah ouais. On a eu pas mal d'autres artistes de son agence. Et puis un jour, il me dit, écoute, là, il y a une opportunité. Ça fait tellement longtemps que tu fais la request. Il y a cette date-là qui est dispo. Voilà. Et je sais plus, ça a dû 6 mois avant. Il me dit, voilà, il y a cette date-là. Donc, on l'a bloqué tout de suite. Donc, le travail paie, en fait. Hein. Et ouais. Et Kerry Chandler. Et donc, ouais, moi, j'en ai profité pour faire mon pot de départ en même temps. C'était trop cool. Il y avait tous les potes. C'était chambé. Énorme soirée. Tu avais 6 mois pour l'organiser. Ouais, grave. Il se préparait physiquement. Les gars, c'est un pot de départ, quoi. Ouais, non. Et Kerry, le mec, c'est un amour. Il vient, il a fait des balances de malade. Il est ultra pro, ultra sympa. Et puis, j'ai fini mon dernier morceau et c'est lui qui reprenait le clavier dessus. Enfin, c'était trop cool, quoi. Putain, alors, jouer au clavier sur... Je crois que j'avais fini avec le Paul Johnson. Et genre, c'est lui qui jouait le clavier sur le morceau. Enfin, déjà, tu finis là-dessus, c'était incroyable, quoi. Et c'était ton plus beau souvenir ? Plus beau souvenir, je sais pas, il y en a plein. Je sais pas, un plus beau souvenir du Badaboom, ouais, il y en a tellement. Mais c'est vrai que c'était énorme parce que c'était... C'était la fin d'une super époque et de 5 années incroyables dans ce club et avec cette équipe. Et voilà, avec Kerry Chandler pour terminer, c'était trop cool. En plus, on ne l'arrêtait plus. Je crois qu'on a même poussé, je crois qu'on a même fermé une heure plus tard ce soir-là parce que le mec, il était trop chaud. Il voulait pas s'arrêter. Lui dire non, en plus. Bah ouais, non. Mais en plus, on s'est vu que c'était un peu une soirée particulière. Je crois qu'on a un peu... Dépassé illégalement. Tu te souviens plus.
Donc, mais ouais, voilà. Enfin, okay. Super, super souvenir. Ouais. Moi, j'ai une petite anecdote. Quant au Badaboum, j'avais fait une soirée. Enfin, j'ai dû boire à Bastille. Après, j'étais ouais, on va Badaboum. Je connais le DA. Alors que du coup, j'avais dû voir Martin une seule fois de par un rendez-vous. Je suis arrivé devant le videur. J'ai dit non, mais vas-y, je connais Martin. Il m'a dit non, tu rentres pas. Ça fait une bonne année. Ouais, c'est l'anecdote des winners, ça. Mais voilà, ouais, attends, quelques années après, on se retrouve ensemble pour Good Morning Sacré. N'hésitez pas à poser vos questions sur le chat, bien évidemment. Ok. Et t'as aussi un autre projet musical? Ouais, alors non, enfin je l'ai plus vraiment. Bah c'était Nit, c'était mon nom de DJ que j'ai utilisé. Ouais, maintenant c'est vrai que je l'utilise plus vraiment. Bon, parce que déjà j'ai moins le temps de mixer et puis en fait si demain je me mets sur un plateau où je vais jouer quelque part, en fait j'utilise mon vrai nom tout simplement. Nit, la page elle servait à rien, enfin tu vois, s'il se passait pas grand chose, donc pour moi ça avait pas vraiment d'intérêt de le continuer, quoi. Okay. J'avais pas d'actu à proposer, j'ai pas produit de musique, et pourquoi Nit? Parce que Nit, c'est l'abréviation du verlan de Martin. C'était comme ça qu'on m'appelait avant, au lycée. Genre, ça fait Martin, ça fait Nitra, mais Nit, c'est que le début. Donc... Ah ouais, c'est C'est pas si travaillé que ça. Hein, ouais, ça, j'avoue, c'est les copains du lycée qui étaient super créatifs pour trouver des surnoms, quoi. Ok, très bien, très bien. Et du coup, après, Badaboum, et puis après, ce beau projet de Sacré qui est arrivé. Et du coup, ça ferait une transition parfaite pour après Florent. Mais travail journalistique, les gars, hein, quand même. Ah, c'est travailler. Et ouais, donc Sacré, ouais, en effet, je suis parti du Badaboum donc en juillet 2018 et dans le but en fait d'ouvrir mon endroit. Ok. Et au début, les choses qu'on voyait. Donc t'es propriétaire. Ouais, on est quatre. On est quatre sur le projet, ouais. Et en fait, au début, les choses qu'on visitait avec le budget qu'on avait, ça avait vraiment rien à voir avec ça. Et on a eu une opportunité de malade, on s'est un peu embarqué dedans et en fait, ça a fonctionné. Donc très, très cool. Par contre, c'était une charge de taf incroyable. Tu m'étonnes. Des hauts et des bas, émotions. Enfin, c'était super intense parce qu'il y a eu énormément de travaux, on a tout rechangé. Et c'est aussi ce qui était super excitant, quoi, parce qu'on en a vraiment fait un endroit qui nous ressemble et exactement comme on voulait le faire. Donc ouais, trop cool. Et l'ouverture en mars 2019. Quelques galères parce qu'on a dû refermer pour refaire des travaux supplémentaires et tout. Et là, ouais. depuis la rentrée septembre, ça se passait vraiment bien, quoi. Donc c'est qui avait tout redécoré. Ouais. Ouais, quand on a récupéré le local, c'était vraiment... Enfin, c'était pas une cave, tu vois, mais franchement, on n'en était pas loin. Presque. Il n'y avait plus grand-chose. Du coup, avant aussi, c'était l'ancien social club. Ouais, ça a été le social club pendant à peu près 10-12 ans, je crois. Avant, c'était un club qui s'appelait le Triptyque. Et entre le social club et nous, ça s'appelait Salo. Et merci. Katzenzog, c'est très gentil. Katzenzog. Ouais, aussi. Ouais, il y a eu quelques projets un peu éphémères comme ça où ils ont renommé le club différemment, mais c'était Salo. Et Salo, pour le coup, c'était vraiment ultra brut. Ils en avaient fait vraiment un endroit très dark. Très dark, ouais. Et nous, quand on l'a récupéré, c'était, enfin voilà, il y avait plein de choses à faire, quoi. Ok. Ça ressemblait pas du tout à ça. Ça a duré combien de temps, les travaux? On a eu 4 mois de travaux. Ah ouais, putain. Ok, très bien. Très bien, très bien. Flo, it's your turn. Yeah. Alors du coup, à savoir que tu viens de 50 ans en Y. Non, pas loin. Non, parce que la moto, enfin, c'était ma vanne. À côté de Versailles. Ouais, parce que du coup, enfin, c'était ma vanne. Ah, j'ai pas compris, ouais. Non, parce que Y, ouais. Attends, putain. Ça va bouleverser. Et attends, si, j'en ai une autre. Tu peux la refaire, j'ai une variante. Alors du coup, tu viens de 50 ans Y. What you say, that you only meant when. Yes. Ok. Anna, tu as quelque chose à dire là-dessus? Non, j'ai pas compris la blague du Y. Parce que Y, c'est genre en moto ou en quad. Ah, c'est genre YZ, ça c'est YZ. Donc. Ah merde. Ouais. Ah bah voilà. Non, ah. C'est en Y. Mais non, c'est en Y.
Vous n'avez pas le vocable John, hein? Le vocable John. C'est les motos, il est YZ. Non, non mais pour moi, c'est non, genre quand tu fais des trucs en Y, c'est genre tu fais des. Ouais, on scoot, c'est genre. Pas, mode rodéo sauvage. Je sais pas. Moi, je viens de Lyon. Tu peux venir de Lyon en Y? Tu peux, mais c'est un peu plus long. Sur l'autoroute, sur la nationale 104, d'ailleurs, Anat nous fera le point bison futé tout à l'heure. En route tout à l'heure, il n'y a pas de souci. Ok, donc du coup, Flo, tu as un petit background aussi musical. Tu as fondé et monté Pound City Music. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire? Avec mon pote Mathieu Payet. Mathieu Payet. Voilà. Le frère de Dimitri. De Manu. Payet. Ouais, Manu, Dimitri, il a plein de frères. C'est ouf. C'est la footballeur, réunion, c'est la radio. C'est la, tout réunion, ça. La réunion, ils sont comme ça là-bas. Ils sont tous cousins, ils sont tous frères. Incroyable. Donc, du coup, c'était c'est plus un label house. C'est deep, un petit label, pareil, ouais. De passionnés. On était à deux, on kiffait vraiment le son. Et c'est un label vraiment deep house. Ok. On a fait une seule sortie vinyle. Voilà. Et sinon, trois sorties digitales. Ouais, c'était l'époque où j'ai voulu me lancer dans la musique. Ok. Tu produis, tu mixes un petit peu. Ouais, je produisais, je mixais. Ok. Aussi, et voilà, ça a marché 2-3 ans, plus ou moins bien, jamais réussi à en vivre, mais en tout cas, c'était toujours du kiff, toujours kiffé les soirées, le monde de la nuit, et puis... T'organises des soirées aussi, du coup aussi. Ouais, on organise des soirées aussi. Okay. Et on a fait des soirées ensemble. On a fait des soirées ensemble. De City, ouais. Et okay. Comment et vous connaissez? Bah justement, on se connaît par un ami commun qui s'appelle Julien Soulier, en fait. Et Martin m'a fait mixer ma première date, en fait, quand il a repris la Seine-Bastille, c'était à l'époque de la Seine-Bastille, d'accord. Ouais, mais en fait, moi je l'ai pas reprise. On organisait des soirées là-bas, quoi. Et ouais, on vous avait invité. Et le line-up, c'était donc moi et Mathieu, ma Pond City, et la Mamise. Ah yes, exact. Première date avec la Mamise. Yes. Donc, quand on voit la trajectoire différente de la Mamise et de Pond City. Mais en tous les cas, c'était vrai, super. La Mamise, je m'en souvenais plus. Ouais. Ouais. Mais ça devait être pareil, 2011, 2007. Ouais, c'était avant Badaboum, en fait. Ah bah ouais, ça s'appelait Saint-Bastien encore. Ouais, exact, la Mamise. Chambé. Pour la petite histoire, voilà. Ok, et après, du coup. Souvenir en commun. Ouais, souvenir en commun, de ouf. Ouais, c'est drôle. Mais du coup, vous êtes rencontrés via les soirées, via Pound City Music. Mais du coup, comment tu es arrivé chez Sacré, Flo? Bah, tout simplement en envoyant un message. il a slidé dans les DM de Martin en mode hey, salut. En fait, à 30 ans, j'ai refait une formation, j'ai arrêté la musique. Je voyais que j'allais droit dans le mur, que j'allais pas gagner ma vie avec ça. Donc, j'ai arrêté la musique à 30 ans. J'ai refait une formation dans le digital marketing. Okay. Et donc, pour valider cette formation, j'ai besoin d'un stage. Ok. Donc j'ai demandé à Martin s'il cherchait pas par hasard un stagiaire. Et il m'a pris en tant que community manager. Ok, voilà, c'est comme ça que je suis rentré en juin 2019. Ce magnifique CV que l'on a. Voilà, c'est le CV qui a tout fait, je crois. Ouais. Ouais. C'est ça. Et aussi, j'ai vu sur ton CV un énorme. Tu as eu une expérience de barman. Ouais, j'ai fait beaucoup de restauration en fait, pour gagner ma vie. Comme je ne gagnais pas de sous en faisant de la musique, bah, forcément, il fallait faire des tafs à côté. Donc, dealer, voilà. j'ai tout testé. Mais non, surtout de la restauration. Tu n'as pas mis dealer dans ton CV. Merde, il ne fallait pas le dire. Non, mais en fait, j'ai fait toutes sortes de boulots. Et ouais, c'est un super. J'ai fait beaucoup de restauration. J'ai beaucoup de potes qui ont des restos et qui m'ont, du coup, à qui j'ai travaillé. Et la restauration, c'est un super métier aussi. J'ai appris beaucoup de choses, beaucoup de valeurs humaines. Et ça me sert aujourd'hui encore pour. C'est bon, on voit la maîtrise quand tu sers la bière. Franchement, exactement, tu vois, délice. Voilà, le coude, toujours le coude bon mouvement, exactement. T'as aussi fait. Alors, t'as été à la faculté de Montmirail à Toulouse. Si t'en fais une vanne, bien évidemment, ouais, la faculté pas mal, du Montmirail. J'aime bien cette vanne, ouais. Merci. Et t'as fait DJ Network de 2009 à 2009. Qu'est-ce qui s'est passé de 2009 à 2009? De 2009 à 2009. Oui, sur LinkedIn, il y a marqué 2009-2009. Ouais, ça a duré, c'est une formation de 6 mois en fait. Ah, ok, ouais, ok, ok. C'était une formation de 6 mois où j'ai. Où j'ai mais non, du tout, ouais, du tout, ouais. Je voulais savoir du coup qu'est-ce qu'il avait fait. Ça a duré 6 mois, j'ai dit Network, en fait, c'est une école qui t'apprend les bases de la MAO et du mix. Voilà, en fait, j'ai. C'était en mode formation, je pensais que c'était en mode école, cycle et tout, genre avec 1, 2, 3 ans. Non, c'était 6 mois à l'arrache. Elle était où cette école? C'était à Paris, à Louis Blanc. DJ Network. DJ Network, ça s'appelle. Mais ça existe encore, et ils forment beaucoup de monde, mais en vrai c'était pas très utile, mais c'est... Il a bien vendu l'école à tous les producteurs qui nous regardent. Un jingle là-dessus, mais non, du ça coup, je te rajoute sur LinkedIn, j'ai même pas sur LinkedIn. Non mais tu peux y aller toi pour apprendre un peu quelques trucs, Anat, si tu veux, je te donnerai les contacts. Ok, chambé. Alright, très bien Flo. On va faire un petit focus sur Mister Anat. Bonsoir. Alors du coup, tu es le fondateur de Parade Studio. Ouais. Voilà.
Voilà. Est-ce que tu peux nous... Qu'est-ce que Parade Studio pas seulement. Oui, bah, bien sûr. Il y a d'autres projets, mais du coup, on va faire un focus sur... On peut manger les trucs, sinon... Mais bien sûr, manger. Vas-y. Cool, hein. Évitez de faire de l'ASMR au micro, sinon après, ça fait une double association de voix et plus de... Déjà, vous avez un beau micro et pas moi, donc... Mais bon, on va pas en parler. La prochaine, promis, tu viendras à côté de moi. Donc du coup, ouais, t'es le fondateur de Parade Studio. Il y a aussi un autre projet dont il y parlera tout à l'heure, qui s'appelle Prose FM. Déjà, qu'est-ce que Parade Studio, dis-nous. Parade Studio, c'est une équipe de passionnés. Parade Studio, c'est un studio de graphisme et de création graphique. Ok. Et voilà, on dessine. Quand je dis on, c'est que ça fait plus sérieux de plutôt que si je disais juste je. Ok. Ça dépend des semaines. Parfois il y a des stagiaires, parfois pas, parfois voilà. Mais globalement, je suis tout seul dans Parade Studio, quoi. D'accord. Très bien. Voilà. Et en gros, je bosse beaucoup dans la culture et la musique. Okay. Beaucoup musique et ski, en fait, c'est un peu mes deux passions, donc j'ai la chance de pouvoir travailler dedans, donc je dessine plein de choses pour des labels, pour des festivals, pour des salles, pour des artistes. J'ai vu des beaux skis d'ailleurs dans les bureaux, des skis ultra stylés. On pourra aller les chercher pendant la page publicitaire, les présenter ici. Et voilà, exactement. Et notamment dans les salles qui me tiennent particulièrement à cœur, le Sacré. Voilà. Okay. Du coup, tu fais aussi des visuels et tout pour Sacré. Ouais. Et notamment cette magnifique charte de Good Morning Sacré. D'ailleurs, on peut applaudir à Nat. Et c'est bien aussi avec les rois d'applaudissements. Ouais, bravo Nat. Oui. Ok. Donc, tu as aussi une web radio, Prose FM. Ouais. Est-ce que tu veux nous en parler? Non. D'accord. Je savais que la question était bien tournée. Si, non, mais Prose, c'est un petit projet à côté. C'est effectivement une web radio où l'idée, c'est... c'est assez novateur comme principe, c'est-à-dire qu'on passe de la musique. Et l'idée, c'est de passer de la musique 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans aucune pub. Okay. Et il y a peut-être 50-60% de la programmation qui est issue de vinyles plus ou moins rares, mais dans la plupart du temps assez rares, et qui sont numérisés et diffusés. Donc du coup, ça donne la possibilité à des gens de découvrir des morceaux que tu peux écouter nulle part ailleurs. Ouais. Et alors, évidemment, ni Spotify, ni Apple, ni machin, mais il y en a même que tu trouves même pas ni sur SoundCloud, ni sur YouTube, quoi. Tu les as digués comment, ces morceaux? Alors ça, c'est un autre problème, c'est que... Il est addict. Ouais, c'est que j'achète beaucoup de vinyles et que j'ai des réseaux, entre guillemets, de potes qui sont disquaires. Le dark side of... Ouais, exactement. Il y en a qui étaient dealers, l'autre qui va dans les bas-fonds pour choper des vinyles. Moi, je connais des dealers de vinyles. Voilà. Ok. Très bien. Il y a aussi un autre projet. Donc, il y a du coup, comme on parlait, de tourne-disque aussi. Ouais, alors le tourne-disque, ça, c'est vieux, entre guillemets. C'est un projet qu'on a monté il y a plus de 10 ans avec deux potes, Seb et Quentin. Et en fait, à l'époque, pour le coup, alors pareil, on n'a rien inventé. Mais nous, en gros, l'idée, c'était de faire un média musical pour tous les jours faire découvrir des nouveaux morceaux aux gens. Okay. Alors dit comme ça aujourd'hui en 2021, ça paraît naze, mais à l'époque en fait, il y en avait déjà, mais il n'y en avait pas tant que ça. Et surtout, nous, on le faisait vraiment en mode ultra minimaliste, c'est-à-dire pas d'articles, pas de critiques, juste tous les jours on poste avec une interface super sobre, 5, 6, parfois 10 morceaux, tu vois, sur une plateforme. Et alors aujourd'hui, à l'heure où n'importe qui peut faire une chaîne YouTube, n'importe qui peut faire... Donc c'est un peu ringard, tu vois, mais à l'époque, en vrai, c'était voilà, novateur. Ouais, c'était assez novateur dans la forme, tu vois, dans le fait de dire on poste du son et voilà. Et c'était très suivi à l'époque, et ça nous a permis de... Donc tu avais la partie média comme ça, et puis il y avait la partie à côté vachement plus DJ, où en gros, on passait du son à droite, à gauche... quand on était invité. Moi, j'étais fan de la première heure du tourne-disque. Ça m'a refait mon éducation musicale et tout. Avant de te connaître, franchement. Tu fais plaisir, vieux. J'ai plein de t-shirts au bureau. Je passais ça dans les bars où je travaillais. Ça tue, mec. Bah ouais, non, c'est vraiment le tourne-disque. Il y a une, je pense, une génération. Alors aujourd'hui, je pense. La génération tourne-disque. Bah non, mais il y a une génération. Génération tourne-manège, génération tourne-disque. C'était un succès fou, franchement. Ouais, aujourd'hui, je pense que les gens connaissent moins, tu vois. Tu demandes à quelqu'un qui a 20 ans, je pense qu'il s'en fout du tourne-disque. Mais à l'époque, les gens qui ont plus nos âges, je pense qu'ils connaissaient. Après, les vieux, quoi. Ouais, les vieux, voilà. Les gens en fin de vie. Ceux qui connaissent pas personne l'expression en Y. Exactement. Voilà. Tous ces mecs-là qui connaissent pas, ils connaissaient le tourne-disque, tu vois. Ouf. Ok. Et vous étiez combien sur le projet? On était trois. Okay. Trois, Quentin, Seb et moi. Qu'on salue.
J'ai pas mal squatté avec vous aussi pendant un moment. Ah ouais, et en fait, sur tous les projets en fait. Officiellement, on était trois, mais en vrai, je pense qu'on était 10 quoi. C'est-à-dire qu'il y avait effectivement deux, trois personnes qui gravitaient autour. Je pense évidemment à Martin, je pense à Étienne de Pain Surprise qui était tout le temps avec nous. Je pense, enfin, il y a pas mal de gens qui étaient tout le temps ensemble. Mais c'est d'ailleurs grâce, effectivement, comme le disait Martin tout à l'heure, grâce au tourne-disque qu'on s'est rencontrés. Mais il y a 10 ans maintenant, je pense, je sais pas, mais. Ouais, ça devait être la première cliché, donc ouais. Ça devait être. Et après, on a joué des dizaines de fois au Badaboum. Enfin, on ouais. C'est canon. Alors du coup un petit coucou à Jérôme. Bonjour à tous, vous êtes beaux. Maxime qui nous dit belle équipe. Maxime de Coquelicot Records. Yves Nitt quand même avec un beau landing à Bruxelles avec Badaboum Airlines en 2014. Ah ouais, qui a dit ça? Yves Desbois. Yes, c'est Kerry Chandler qui vient de nous écrire. Non, il a envoyé un petit DM en mode ouais. Guys, it's awesome. Wonderful project. Thank you very much. Ok. Et Yves qui nous dit hâte de pouvoir fouler le sol du sacré. Et ça, on en a tous envie, bien évidemment. Évidemment. J'ai envie de revenir aussi sur un projet du coup ultra récent, mon cher Anatole, qui est annulé. Merde, du coup, on. Ah putain, oui, très bon! Ah oui, très bon! Yes! Je suis aussi pas van, Anatole. Ouais, mais c'était le projet. Okay, je faisais le switch. Pardon. Attends, il y a quand même. Je respecte pas la chronologie en fait, mais c'est pas grave. Ouais, mais du coup, oui, tu vois, annulé. Oui, annulé. Du coup, c'est un projet aussi que t'as fait l'année dernière. Ouais. Et pareil, est-ce que tu peux nous en parler? Alors, annulé, en gros, c'est un livre qui rassemble tous les visuels d'événements, enfin, tous. En tout cas, tout ce qu'on m'a fait parvenir, mais une grosse sélection d'événements musicaux annulés au cours de l'année 2020 à cause du Covid. Qu'est-ce que tu veux? De l'ananas, fruit de la passion. De l'innocent. Innocent, les gars, innocent, placement de produit, bordel. Et en gros, non, c'est un bouquin où voilà, l'idée, c'est je me suis retrouvé, parce que j'avais bossé sur plein d'événements musicaux, plein de visuels pour des événements qui ont été annulés, du coup, comme des centaines d'autres, et j'avais bien les boules en fait de voir tous ces visuels qui avaient été réalisés pour rien, donc je me suis dit qu'on devait être un paquet dans cette situation-là en France, tu vois, donc... Comment tu les as tous contactés En fait, j'ai lancé un appel à contribution début novembre, okay. Pour rassembler tous ces visuels, en disant, bon bah, si ça vous chauffe, on fait un bouquin, et au moins on donne une seconde vie à ces visuels, tu vois, qu'ils n'aient pas été faits pour rien, okay. Et l'appel à contribution a été grave relayé par plein de médias, que je remercie d'ailleurs, mais vraiment, enfin... Trax, Tsugi, Jack, enfin, il y a eu énormément de médias qui ont relayé l'appel à contribution. Du coup, j'ai reçu plein de visuels. Alors, au début, ça a été compliqué parce que j'ai reçu plein de visuels, mais même des concours de tuning, des expos photos, des pièces de théâtre et tout. Il y a un moment où je ne pouvais pas faire. Tous les événements, c'est plein de trucs. Il a fallu choisir. Donc, j'ai dit, bon, bah, tant pis, ce sera que les événements musicaux. Et après, pareil, j'ai reçu plein de contributions de Suisse, de Belgique, d'Angleterre et tout. Et pareil, je ne pouvais pas prendre tout le monde. Donc, en fait, ça s'est un peu réduit au fur et à mesure en mode, ok, bah, ce sera que les événements musicaux en France. Ok. Un peu chauvin, mais ça passe quoi. C'est bien. Ouais, mais c'est parce qu'en fait, si voilà. Tu et après, ça, en ouais. Revanche. Je fais une encyclopédie après, sinon quoi. Ouais, de ouf. Ouais. Et en revanche, à part ça, il n'y a aucune sélection. C'est-à-dire que tous les visuels qu'on m'a fait parvenir et qui étaient des événements musicaux en France, ils sont dans le bouquin. Okay. Donc ça donne un truc hyper varié. Il y a des énormes événements, il y a des trucs complètement inconnus, il y a tous les genres musicaux, il y a des concerts, des soirées, des tournées, des festivals, enfin voilà. C'est stylé. Ouais, c'est trop bien. Et je tiens quand même à dire que c'est incroyable parce que cette cagnotte, il y a quelques jours, lorsque j'ai pris le skin sur Kiss Kiss Bang Bang, elle a dépassé les 207%. Donc encore une fois, bravo. Ouais, merci. Bah, bravo. Merci. Super projet. Super. Félicitations. Avec plus de 1329 contributeurs et il reste encore 5 jours si vous voulez précommander votre bouquin d'annulé fait par Para Studio et vous avez Anat qui vous en a très bien parlé. C'est incroyable. Bah, félicitations. Merci. En tout cas. Bah merci. Non, mais félicitations surtout à tous ceux qui ont participé. C'est-à-dire merci à tous ceux qui ont accepté de filer les visuels et à tous ceux qui ont effectivement participé parce qu'il y a eu un deuxième appel à contribution entre guillemets mais cette fois financier pour financer la production du bouquin quoi. Ok. Mais, donc, du coup, là, on a imprimé combien là? Là, il y en a 2500 qui ont été commandés. Okay. Wow. Mais il y en a déjà 1500 qui sont précommandés. Donc, et encore, je te dis ça, faut que je check les chiffres, mais bien la précise. Et du coup, on les reçoit au plus tard le 15 février. Enfin, on les reçoit la première quinzaine de février. Okay. Et voilà. Et d'ailleurs, oui, un truc qu'on n'a pas dit aussi, c'est que toute la thune va au Resto du Cœur. Ok, très ok. Bah, là, tous les bénéfices vont au Resto du Cœur. Très fort. Okay. Geste fort. C'est important de bravo. Le dire. Enfin, bravo, encore une fois. Très bien, donc là du coup on va partir sur une discussion un peu plus globale.
Alors du coup, on a parlé tout à l'heure de Sacré, mais du coup, j'aimerais bien qu'on rentre un petit peu dans le détail, parce que c'est quand même un sacré projet. Allez, pour moi, celle-là. Je pense qu'on a dû déjà vous la faire, mais bon, du coup, en vrai, voilà. Bah, c'est pour ça qu'on a choisi ce nom-là, d'ailleurs. Ouais. Alors, on fait que ça, ouais. On fait que des jeux de mots. Donc du coup, ouais, c'est ça. Donc, rajouter, c'est un peu cliché, mais là, je me suis dit... Ouais. Oh là là, si, ça rentrait. Comment du coup tu... Enfin du coup, question un peu collégiale, comment à Paris, avec le nombre de lieux de vie qui existent, comment en fait du coup recréer un lieu de vie, recréer une audience, comment on fait? Enfin comment tu fais? Oula, vaste question. Ouais. Donne-lui pas tous les secrets. Il faudrait ouvrir. Ouais. Non mais comment tu fais ça? Comment tu te différencies aussi un peu des autres lieux? Ça, c'est la DA, justement. Bah, que... ouais, après... Qu'est-ce qu'un bon DA? Et qu'est-ce qu'un bon DA? Ouais. Trois questions. Ouais. Franchement, t'es bien là. Non, mais c'est vrai que Sacré, la majeure partie de... Enfin, le gros de l'activité de Sacré, c'est le clubbing, parce que c'est le domaine que je connais le mieux. Et ouais, tout passe par la programmation. En fait, pour que le public vienne à Sacré, il vient parce qu'il suit la programmation et il suit des artistes qui kiffent. Et donc, c'est comme ça qu'on remplit nos salles majoritairement. Ouais. Après, tu as tout l'univers et l'image de marque autour qui attire aussi du monde, de passage, les gens qui nous suivent, qui ont vu une soirée passer mais qui ne sont pas venus, qui viennent à la prochaine. Mais en effet, c'est surtout par le taf de programmation que tu fais parler de toi et que tu attires du monde. Et puis après, nous, on avait une vraie volonté dès le début de ne pas en faire qu'un club. On voulait aussi que ça soit un endroit où on puisse venir en sortie de bureau, boire une bière, manger un peu, deux, trois trucs. Et, ouais. Et ça, pour le coup, c'était un vrai pari, parce que ça fait, en tout cas, cette salle-là qui est en sous-sol et qui est un club depuis 20 ans, l'ouvrir à 18h pour en faire un bar à cocktail et vin nature, c'était un vrai pari. Les gens n'y croyaient pas trop. Mais comment tu fais l'été, du coup? Parce que bon, là, c'est la question. Bah forcément, il y a une vraie saisonnalité, en effet. Ouais. Dès qu'il commence à faire beau, les gens vont en terrasse, et c'est normal, tu vois. Mais ça, c'est c'est la saisonnalité des clubs du monde qui est comme ça, quoi. Donc en effet, nous, on travaille énormément l'hiver, ouais. De mi-septembre à début mai, quoi. Okay. Et puis après, forcément, on a toute une équipe d'extra qui nous permet de pas avoir, en fonction des saisons et des soirées qui sont plus ou moins fat, de moduler vachement nos équipes et de permettre d'être économiquement viable, quoi. Et après, on a toujours voulu ne pas faire que du club, et on fait du stand-up. On s'est associé avec SoFoot pour diffuser des matchs de foot avec eux. Et c'est super drôle. Franchement, ils sont chambés. En fait, on a deux salles. Pour ceux qui ne connaissent pas Sacré, il y a deux salles dans Sacré. Tu as une salle de club et concert et une salle de bar-resto qu'on appelle le disco-bar. Et en fait, SoFoot a utilisé ces deux salles comme s'il y avait deux copes de chaque équipe en fait dans chaque salle. Ouais. C'est assez marrant. Et t'as le fumoir où les supporters se retrouvent un peu en zone mixte, quoi. Okay. Et voilà, c'est trop cool. On fait le spectacle de Redouane Bougueraba aussi, enfin quand on peut ouvrir. Du coup, qui a lieu derrière, avec un autre setup en mode vraiment salle de spectacle, quoi. Exactement. Et puis, on avait commencé à faire 2-3 concerts. Moi, c'est vraiment un milieu que je connais pas du tout, qui est très particulier à travailler. Ouais. Et on s'est associé avec des professionnels du concert pour nous aider un peu à en programmer, quoi. Et voilà, donc il y a Allo Floride. Allo Floride. Qui nous a rejoint. Pas les nommer. Si, il faut les nommer. Ah bah voilà, big up Allo Floride. C'est les poteaux. Ouais. Ok. Et voilà, donc ouais, c'est un endroit où tu peux venir à 18h et rester jusqu'à 7h du mat, quoi. C'est un lieu de culture, en fait. Exactement. C'est un vrai lieu de culture. Ouais. Un lieu de rencontre. Aussi. Waouh. des couples se sont créés au Sacré. Oh, jingle, application de rencontre. Jingle. Merde, putain, ok. Ok, j'en ai un, mais je sais pas s'il va aller. Ou sinon celui-là. My mind's telling me no. Tout à l'heure, il était bien. Ouais. De quoi? Le premier, là, j'étais en ambiance peignoir un peu. Ah, celui-là, le... Tu mixes, c'est toi ou... Non, moi, je fais juste des trucs avec les pads. Hein. Je suis pas de man. Ok, très bien. Comment, du coup, passer après, du coup, ce lieu, quand même, comme tu disais, ou comme vous le disiez, que, du coup, social, c'était quand même 10 ans ici. Tu arrives ici, c'était différentes typologies de soirées, la musique a évolué aussi. Comment vous voyez ça, garçon?
Non, bah c'est sûr que moi déjà le social c'est un lieu où j'y allais mais genre trois fois par semaine quoi, si c'est pas plus, tu vois. Donc c'est un lieu que grand consommateur. Tout se fait ici de ouais, consommateur. C'est un lieu que je connaissais très très bien et donc c'était limite un peu même la pression de le reprendre parce que je pense que quand tu reprends une salle comme ça, t'es ultra attendu. C'est une salle que tout le monde connaît et en plus le Social Club, enfin c'était une marque. Je pense que le monde entier connaît le Social Club, enfin en tout cas à sa grande époque, mais même encore, tu vois, c'est quand même marqué une génération. Il y a quand même Justice qui a enregistré son album ici. C'est ça. Il y a quand même de l'histoire dans cette salle. Romance et tout aussi. Ouais, il y a eu plein de trucs. Et donc. Le tourne-disque aussi qui avait joué. Le tourne-disque qui avait joué au Social. Vous avez des soirées au Social? C'est vrai? Ouais, ouais. Vous avez joué avec qui au Social sur le tourne-disque? Faut que tu parles dans le micro, oui, par contre. Idéalement. Ouais, mais j'ai un micro nul par rapport. Oh je sais de parler dedans. Non, je rigole. Je sais plus. Putain, je me souviens. Mais on a joué une ou deux fois au Social. Et qu'est-ce que tu retiens de cette soirée, de ces soirées? C'était comment? Parle-nous-en. La drogue. Un petit moment de nostalgie. Je m'en souviens plus. Non. C'était ouf. On jouait là-bas. Je me souviens dans le club. Ouais. Et on avait terminé très tard. Et c'était ouf, quoi. Je sais plus à qui on jouait. Putain, faudrait retrouver les. Faudra regarder. Faudra retrouver le flyer. Non, mais en plus, c'était quelqu'un de super fat, donc j'ai un peu honte. Ah. C'est pas. Vas-y, enchaîne. Ton City. Ah, je crois. Hein. C'était les mecs de Ton City, non? Genre des mecs en Y, je sais pas. J'ai pas compris l'expression. Ouais, donc pour revenir à ta question. Comment c'est pour ça qu'on a fait énormément de travaux dans la salle. C'était, on voulait vraiment. Commencer d'une nouvelle histoire, quoi. Ouais. On voulait pas être les mecs qui reprennent le Social Club. On voulait vraiment être sacré, quoi. Et donc c'est pour ça qu'on a fait tous ces travaux, qu'on a transformé complètement cette salle qui avant était en une seule salle et que nous on a transformé en deux salles. Ok. Et vous aviez déjà dans l'idée de faire du stand-up. Il y avait du début. Anad d'ailleurs, dès que ça roule, il fait son one man show. Ouais. Il est en train d'écrire. D'ailleurs, la salle du Y, faudrait que tu la rajoutes dans le spectacle. Je l'ai rajoutée. En intro, t'arrives en scooter. Ouais. J'arrive en Y direct sur le... Ouais, il y avait déjà cette idée, cette volonté de le tout début du projet Sacré. On voulait vraiment faire un bar qui pousse en club. Okay. D'ailleurs, le slogan du Sacré, c'est plus qu'une discothèque, un disco-bar. Voilà. Oh, propre. Et d'ailleurs aussi, vous avez... Il y a des affiches, je veux faire la fête, je n'ai plus le début, mais vous savez que... Let the people faire la fête. Let the people faire la fête. Comment c'est né ce... Ça c'est... Anat, Paratudio création. Ouais, Paratudio. Parle-nous-en de ce visuel, parce que du coup j'ai vu aussi que t'avais sur la cagnotte, t'avais quand même le t-shirt plus le... les affiches. Quand je m'accoude. Ah, parfait. Il va faire des mugs aussi. Ouais, un peu la Michel Drucker posée sur le canapé. Il y a des tapis de souris qui arrivent et tout. Non. Ça rejoint en même temps ta marque de sap. Et du coup, tu peux nous en parler aussi. Allez. Alors, Let the People faire la fête, c'est un visuel que j'ai créé pendant le premier confinement, saison 1, épisode 1, donc 2020. Tu vois. Okay. Et en fait, c'était pas du tout. Enfin, ce que je veux dire à travers ça, c'est pas. C'est pas, il n'y a rien de grave et tout. J'ai bien compris qu'il y avait un virus qui était dangereux, tu vois. Mais c'était juste, les gars, soyons cohérents deux secondes, en fait, parce qu'à l'époque, tout était fermé. Enfin, je sais pas comment dire, genre, laisser les gens faire la fête. Nous, on peut pas ouvrir les magasins et expliquer aux autres que dedans, ils doivent fermer. Enfin, c'était un peu pour prendre la défense, en fait, de mes potes, tu vois. Ouais. Et voilà, c'était juste un peu provoque, mais let the people faire la fête, quoi. Okay. Et c'est des affiches... alors qui à la base n'ont jamais été vendus, j'en ai imprimé 2000 je crois la première fois, et qui ont été collés dans toutes les rues de Paris, je m'amusais à les coller pendant 2-3 mois, tu vois. Okay. Après elles ont été un peu distribuées chez Dishonored, un disquaire du nord de Paris que j'aime beaucoup. Okay. Et je profite pour les embrasser. Bisous. Voilà. Et voilà, et c'est juste devenu un espèce de petit slogan, let the people faire la fête. Okay. Et qu'on a collé un peu partout ici dans le club. Et comment t'en es venu à faire des t-shirts? Alors ça, c'est un autre projet. C'est en fait, j'ai monté le mec a 46 projets. J'ai monté une petite marque de fringues il y a 4 ans qui s'appelle Pavane. Et en fait, l'idée, c'est que des sweats, comme on dit dans le milieu de la mode, des sweaters qui sont faits en France à la main, vraiment, et qui sortent à 50 exemplaires numérotés. C'est-à-dire que
Voilà, ils ont tous un numéro brodé dans le cou. Et une fois par mois, il y a un modèle qui sort, il n'y en a que 50. 100% français. Ouais, vraiment. Alors après, tout est fait. C'est-à-dire que le coton est filé, tissé et compagnie en France, quoi. Et ensuite assemblé en France et tout. Enfin, c'est vraiment, tu vois, c'est pas on met l'étiquette à la fin, on dit made in France. Quoi. Non, c'est vraiment fait en France. Et il y en a un, il y a un modèle qui sort une fois par mois. Alors après, le problème, c'est que je me suis bien amusé avec pendant 4 ans. Et là, ça fait 6 mois qu'on n'a pas sorti le dernier modèle. Donc ça s'essouffle un peu, faut que ça revienne. Mais voilà. Harceler Anat sur les réseaux sociaux et sur les réseaux de Pavan pour qu'il ressorte un nouvel exemplaire. Et précommander fort. En plus, ils sont là, ils sont là-haut, quoi. Ouais, en fait, le pire, c'est qu'il y a un nouveau modèle qu'on ira chercher à la pub, pareil, et qui est là-haut, quoi. Mais juste, je sais pas, je m'en occupe pas. Tu fais trop de choses aussi, tu peux pas tout faire, Anat. Ouais, écoute, ça. Mais dans tous les cas, on va essayer de vous faire gagner quelques trucs, on va voir après. Tu pourras peut-être faire gagner le... Non, je vais pas m'avancer. On en a discuté. On pourrait faire gagner le prochain suite. Ouais, ou suite. Ou une affiche un plus... Ouais, grave. Ou un micro pourri. Ou un micro pourri. C'est le cadeau, la box mystère un peu nulle. Exactement. Ok. Du coup, voilà, comme ça, on a parlé de ton projet textile. Voilà. Il y a aussi, lors du coup du premier confinement, vous avez, et j'ai vu passer une cagnotte 10.fm. Est-ce que du coup... Tu dis 10? Bah écoute, je sais pas comment on dit DICE. Que des numéros DICE 10 dans ma team. FM. DICE FM, franchement, au début. Désolé, je suis pas très fort en anglais. Pardon. Il y a Vincent Barrière qui me dit que la soirée, Anat, que t'as fait au social, c'était pas avec Hoche et Villanova? Putain, je sais plus, peut-être. Enfin, le line-up, Hoche et Villanova, quoi. Bah je sais plus, faut que je check, mais il a peut-être raison. Putain, remarque la soirée Fichtre. Fichtre, en 2013. Si, si, alors ça, oui, tu jouais de la dark melody techno, donc ça m'étonne pas qu'on te mette avec Hoche. D'ailleurs, qu'on embrasse Villanova aussi. Bisous à toi, Villanova. Ils sont deux. À vous deux. Ils sont pas 10, du coup. Encore une fois, une transition magnifique. Mais en tout cas, coupe le micro quand tu fais ça. Hein. Je suis surpris que ça réagisse autant dans le chat. Et que... Merci à toi, Vincent, qu'on embrasse, bien évidemment. Il y a des connaisseurs. Grave. Voilà, des fins connaisseurs. Trop sympa. Et donc, du coup, cette cagnotte DICE. Ouais. Bah alors, on a voulu faire une cagnotte un peu solidaire qui a... Parce qu'en fait, comme je te disais tout à l'heure, il y a une grosse partie de nos équipes qui sont en extra. Ouais. Et les extras, malheureusement, et les intermittents, c'est un peu, ils ne bénéficient d'aucune aide, étant donné qu'ils ont, enfin, ils ont le chômage, quoi, mais ils n'ont pas le chômage partiel, étant qu'ils n'ont pas de contrat de travail. Okay. Donc, on a lancé une cagnotte avec notre partenaire DICE, qui est normalement notre billetterie. Okay. Et le but, c'était lever des fonds pendant toutes nos émissions de radio qu'on faisait tous les jours et leur redistribuer aux équipes. Qui étaient en galère. Bon, ça n'a pas été un énorme succès au niveau de l'argent qu'on a récupéré. Les gens sont pauvres. Ouais, aussi. Mais voilà, en tout cas, c'était destiné à ça. Et puis au final, on s'est rendu compte que bon, ça ne servait à rien de la continuer vraiment. Okay. Et donc du coup, est né de ce projet Sacré Radio. Avant même. Ouais, Sacré Radio, ça existait un peu, on a dû lancer ça même genre, je crois, début d'année, donc un tout petit peu avant le confinement, je crois. Ouais. Et l'idée de Sacré Radio, c'était diffuser la musique qu'on fait, qui nous représente. Qui nous représente, ouais. Et des artistes qui nous sont proches, qui nous envoyaient leur promo, leur truc, et c'est parti comme ça. Okay. Et puis à la fin du confinement, on a commencé à faire des émissions ici en direct tous les jours. Et en fait, il y a eu tellement d'émissions et tellement de contenu que maintenant la radio elle diffuse que les sets qui sont joués ici, quoi. Ok, en mode vidéo, replay, vas-y, je t'en prie. Enfin, la radio, c'est un projet du coup Perrin et qui ouais, carrément. Nous on y prend goût, on s'éclate avec et la radio elle continuera quand on pourra rouvrir normalement. Et puis on peut même se dire ou imaginer que, j'en sais rien, un samedi soir, un Kerry Chandler dans le club, hop, on le diffuse dans la radio 30 minutes de set, ça peut être cool, quoi. S'il est d'accord, bien sûr. Et un good morning sacré post-after. Ouais. À 6h du mat. On en a parlé off. Avec les biberons et tout. Ça peut être très rigolo, avec un petit déj, tout ça. Avec un partenaire, avec une boulangerie du quartier. Parce que c'est ça aussi, good morning sacré, c'est mettre en avant les gens du quartier. C'est beau, hein. On n'a pas parlé du concept des prochaines émissions, mais ce que tu nous as dit, c'est que... C'est vrai. Tous les commerçants, on veut les mettre en avant, même nous, dans l'idée avec Martin, on veut travailler beaucoup avec les commerçants. On travaille avec Grappe, qui nous fournit le vin.
Plus on a la partie alcool effectivement. Et à 11h. Non, mais tous les on trouve ça important la vie de quartier, c'est important. Plus, ouais, c'est ça, l'idée c'est vraiment après encore de pouvoir faire des petits reportages avec les gens qui sont dans le quartier, qui sont peut-être un peu plus loin dans le quartier, qui font des trucs, on peut mettre en avant, je sais pas, avec une vidéo, une petite interview en mode ah bah Michel, tu fais quoi? Bah écoute, je vends des livres, j'adore Marc Lévy, dealer du quartier aussi. Voilà, ça du coup on par le réseau de par le réseau de Flo et tout, mais voilà, et ok, et du coup on va passer à l'épisode un peu sombre, l'impact du Covid sur Sacré. Comment vous avez vécu tous les trois ça? Je pense que c'est un peu un coup sur la tête, et tu te poseras des questions à ce niveau-là, bien évidemment. Ouais, bah alors en fait, ça a été tellement brutal qu'au début, il a fallu quand même quelques jours, semaines, voire même mois avant de réaliser vraiment qu'on n'allait pas rouvrir tout de suite. Au début, on se disait, vas-y, c'est pas grave, ça va durer 15 jours. La semaine avant le confinement, on était tous à Berlin parce qu'on organisait une soirée sacrée, au Renaté. Nice. Et on était à des années-lumière, même à Berlin, ils commençaient un peu à en parler, tu vois. On était à des années-lumière tout court. Ouais. Et... effectivement, à des années-lumière. Écoute son COVID. Micro quand même. Et ouais, on était tous. On a la petite anecdote parce qu'on est arrivé avec Anat. C'était nous. On ouvrait le Renaté tous les deux. Et on est arrivé donc en tout premier. Et le mec qui faisait l'accueil des artistes, il voulait pas nous serrer la main. Et on était en fait putain, c'est vrai en fait ce truc de virus là. Non, okay. Parce que eux, ils commençaient déjà pas mal à en parler, alors que nous, pas du tout quoi. Et pourtant, c'était une semaine avant le confinement, tu vois. L'usage du masque n'est pas obligatoire. Ouais, complètement. Non mais nous à l'époque c'est vrai que ça nous avait choqué, genre on était mordus, on disait mais arrête ton cinéma mec, genre c'est bon, il y a ce petit truc dont on parle en France, bah ça va tu vois, et comme on venait de Paris, ils rigolaient pas le ouais. gars. Bah aujourd'hui on a l'air con en disant ça, en disant ouais en fait, enfin on comprend, ouais, aujourd'hui on se fait des checks et ça paraît normal, mais à l'époque nous t'as mais gros ils refusent de nous serrer la main. Fais-moi un câlin, on se fait la bise. Ah mais le mec veut pas nous serrer la main, puis 3 heures après il nous fait des grands câlins. 3 heures après il nous fait des câlins. Et en attendant quand on est arrivé, fallait pas nous serrer la main. Ok. D'ailleurs on a pas de nouvelles depuis. c'est atroce. Et Anna, du coup, sur un process créatif, comment on fait pour créer quand on est vraiment on peut pas sortir, on est Bah en vrai c'est compliqué parce que effectivement tu peux pas sortir, tu rencontres du coup pas de nouvelles personnes, ou en tout cas c'est plus compliqué, tu vas pas au musée, tu vas pas à des soirées, enfin il y a rien pour t'enrichir vraiment de l'extérieur, tu vois. Après moi je suis un peu parfois solitaire, c'est-à-dire que moi j'aime bien m'enfermer chez moi juste avec un petit verre de rouge et de la musique, et je peux passer la nuit entière à réfléchir, dessiner et tout. Donc, okay. Mais oui, c'est compliqué. Enfin, tu te sens. Moi j'ai eu un petit coup, tu vois, il y a eu les 3-4 premiers mois, ça allait. Je me disais, oh, bon, c'est un peu chiant, mais on va s'en sortir. Et je crois que ouais, novembre, j'ai eu un gros coup de ouais, en fait, c'est super chiant là. Vraiment, ça devient super chiant quoi. Et ouais, tu tournes en rond, tu. Donc c'est vachement compliqué, ouais. C'est vachement compliqué. Donc tu te nourris de ce que tu vois, mais ce que tu vois, c'est quoi? C'est des vidéos et Instagram et machin. Donc c'est quand même pas la crème de la crème de... Tu te retrouves à aller sur TikTok Non, j'ai pas TikTok. Tu sais, mais t'as fait toutes les séries Netflix, vieux, tu les connais par cœur. J'ai fini Netflix, voilà, j'ai tout terminé. Non, mais même pas, je regarde pas tant de séries que ça. Mais non, j'écoute beaucoup de musique en fait, vachement. Et okay. Voilà. En vrai, t'as... aussi profiter pour diguer un peu plus, du coup avoir plus le temps là-dessus. Ouais, alors ça du coup moi ce que je préfère c'est vraiment aller chez les disquaires, enfin acheter en ligne c'est sympa, mais c'est pas je trouve que tu perds énormément, et puis c'est pas du tout ce qu'il y a de mieux quoi, à part si tu cherches vraiment un truc particulier. Ouais. Mais pour moi le principe même justement de diguer du son, c'est tu sais pas ce que tu cherches, et tu vas chez un disquaire et tu découvres des trucs que tu aurais jamais le contact humain, il te conseille aussi, ouais, te donne et puis voilà, c'est ça. Donc ça manque vachement, ouais. J'ai pu le faire, du coup je me suis bien rattrapé pendant les 3 mois où c'était ouvert quoi. Et là c'est encore ouvert, hein, mais je veux dire ouais, à la sortie quand ils ont libéré le truc, je suis directement foncé quoi. Foncé disque. Mm. Okay. Combien tu dépenses par mois, ouais. Bah, vas-y, pas de question. dans le public il y a des gens, ils ont fait ça. Et toi Martin, du coup comment tu l'as vécu d'un point de vue voilà, rester enfermé, etc. Surtout qu'en plus et jeune papa en plus. Du coup, ouais. Ouais, exactement. D'ailleurs, encore une fois, félicitations. Et parenthèse, mais je suis le parrain. Je préférais le. Oh jingle. Jingle parrain, putain, j'ai pas de jingle parrain. On aurait dû te prévenir. En fait. Ok. Ouais.
Et bravo pour le parrain, Anat. Ok, jingle parrain. Ça sera 1000 euros par mois pour le parrain. Comment on a vécu ça? Bah ouais, ce que je disais, c'est ça a été ultra ultra rapide et intense. Donc au début, on comprenait pas trop quoi. Et en fait, très rapidement avec Flo, on s'est dit faut qu'on fasse un truc quand on sera déconfiné quoi. Donc d'où ces projets d'émissions de radio. Et en fait, heureusement qu'on a ça quoi, parce que ça nous permet grave de garder le moral. Ça nous permet de continuer à inviter les artistes qu'on aime, à en découvrir des nouveaux, à bosser avec des personnes avec qui on n'aurait peut-être jamais taffé. Laisser un terrain d'expression aussi. Ouais, laisser un terrain d'expression, puis ça nous permet, nous, bah, voilà, de continuer un peu à diffuser et à faire ce qu'on a l'habitude de faire. Pardon, je te coupe, mais moi je voulais insister sur un truc vu de l'extérieur, parce que je fais pas partie de l'équipe du Sacré, hein, comme vous l'avez compris. Et c'est pas parce que je suis le parrain avec ton jingle parrain, voilà. Mais moi je voulais juste insister sur un truc pour le voir de l'intérieur au quotidien, du coup. C'est le moment où je vous lâche le cul. Mais sincèrement, c'est ouf de voir l'énergie. Ça, c'est le jingle no. Léchage de cul. Ouais. My mind tell me no. Ah, il est pas mal. Ça peut marcher. Non, et c'est vrai, c'est ouf de voir, parce que les gens voient des ça a été critiqué à une époque et tout, mais les streams, donc ouais, il y a des streams et tout, mais c'est ouf de voir l'énergie que mettent Martin, Flo et d'autres, mais en tout cas Martin et Flo, quotidiennement depuis le mois de mars, sans déconner, tous les jours il y a une émission en direct, il y a des lives, il y a des émissions enregistrées, il y a des émissions où ça tchatche. Comme aujourd'hui où c'est particulièrement intéressant, tu vois. Et c'est ultra chatcheur. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est ouf de voir l'énergie que se mettent des mecs alors qu'en fait, bah, ils ont juste un club qui est fermé et ils pourraient pleurer chez eux ou pleurer ou pas, ou faire la teuf en scred. Et je trouve ça assez ouf de voir l'énergie qu'ils mettent à produire tout ce contenu. Voilà. Merci. Non, mais franchement, ça fait plaisir, les gars. Avec humilité, on apprend aussi. Prenez des chages de cul, était. Non, mais pour le coup, quand on s'est lancé là-dedans, franchement, je me rendais pas compte du temps et de l'énergie que ça allait nous prendre. Après, c'est cool, hein, c'est de l'énergie. C'est de la bonne énergie. Ouais, complètement. Ouais. Mais franchement, on se rendait pas compte, en fait, la charge de taf que c'est. Ça upgrade au cours du temps. C'est quotidien, en fait. C'est pas une émission par mois ou quoi. C'est vraiment tous les jours, on a une émission, au moins une émission. Et c'est vrai que c'est une grosse charge de travail, mais on apprend aussi un nouveau truc. Mais tu vois, pendant un moment, c'est même posé des questions, genre en fait, mec, on n'en peut plus là, c'est trop intense et tout, faut qu'on enregistre en avance, faut qu'on se fasse des journées où. Et en fait, on n'y arrive pas vraiment. C'est tous les jours. Il faut dire qu'il est papa, il a Rosane, s'occuper aussi en même temps. Enfin, on a tous une vie à côté. Mais c'est vrai que, bon, en tout cas, on prend ça avec passion et vu l'engouement qu'il y a avec tous les artistes, ça donne envie aussi de continuer. Mais pour eux, c'est important, je pense, d'avoir ce terrain et de pouvoir venir. On passe tellement des bons moments avec tous les artistes qui passent que. De continuer quoi. C'est vrai que t'as un don pour mettre à l'aise des artistes et ça va, toi aussi, ça va repartir en léchage de cul. Hercule encore qui va partir. Ok, et alors du coup, c'est ça aussi, vous avez upgrade avec le temps, parce que du coup, on en discutait hier avec. C'était avec... tout côté les premiers streams. Ça, c'était derrière le bar avec une caméra, cam. On avait une petite webcam Logitech à 99 euros sur Amazon. Et là, du coup, nouveau placement de produit. Amazon. D'ailleurs, c'était la Fnac. La Fnac. Mais est-ce que vous pensez que les projets de radio, ça s'est vraiment intensifié avec le confinement? Ce serait peut-être pas autant intensifié si. Tu parles de notre projet ou des web radios? Non, des web radios. Déjà, je pense qu'il y a eu plein de web radios qui sont un peu montées aussi pendant ce temps-là, parce que c'est un média qui permet. Ça a explosé, là. Ouais, complètement. Complètement, tu peux le faire de chez toi avec une bonne Selecta et tu peux lancer ta web radio. Donc, c'est vrai que Selecta, genre les machines. Ouais, les machines à café, ouais. Okay. Comme quoi, tout est bien. Je tiens à dire, on s'est d'ailleurs tous réunis en groupe avec toutes les web radios de France, d'ailleurs, avec l'initiative d'Antoine de Tsugi Radio, Radio Meux. On s'est tous réunis en fait pour être plus forts et créer une association qui s'appelle l'Union des web radios de France. Wow. Pour aller plus haut. Pour aller plus haut, exactement, ouais, pour représenter un peu toutes les web radios et avoir plus de poids pour aller gratter des thunes à l'État. Non, pour aller gratter des subventions et puis pour avoir plus de poids pour se faire entendre. Voilà. Okay. C'est quand même énorme parce que en cumulant toutes ces. Donc il y a une quarantaine de radios, je crois, pour l'instant. Pour l'instant, mais c'est ouvert à tout le monde et ça représente quand même 3 millions d'auditeurs par mois.
putain. Ah ouais. Donc 2 999 000 sur Sacré Radio. Exactement. Tout le reste. Donc, du coup, on est les Sacré Radio, du coup, là, depuis la création, c'est combien en termes de ça chiffres augmente, ça augmente quand même relativement tous les mois. Sur la radio, ça reste pour l'instant assez peu. C'est très dur de faire grimper en fait une radio. Mais par contre, au niveau des vues Facebook, YouTube cumulées, on est quand même pas mal. Je sais plus combien c'était en octobre, on avait regardé, c'était à 100 000 par mois, je crois. Ouais, à peu près. Ouais. Trop bien. En cumulant les replays et les directs. Donc c'est déjà quand même, franchement, on a fait du chemin. Parce que c'est dire qu'il y a plus de personnes qui écoutent Sacré Radio ou qui voient nos shows plutôt qu'ils viennent. Tu vois. Enfin bon, si on était ouvert, on ne pourrait jamais accueillir 100 000 personnes dans le club. Ouais. Ce serait compliqué. Ouais. Et ce serait pas très Covid. Malheureusement. Ou alors il faudrait être ouvert 24h sur 24, 7 jours sur 7, et là peut-être qu'on pourrait le faire. Quoi. Ouais. C'est un concept. C'est une idée. Faire des radios en même temps. C'est la DJ qui est là-bas, radio ici, stand-up dans les toilettes. Concept. Très bien. Et toi, Flo, du coup, comment t'as vécu ce confinement? Est-ce que t'as profité pour produire un peu Moi, j'ai acheté la PS4 le premier jour du confinement. Ok. Autant dire que pendant 2 semaines, j'étais out. Je vais pas dire ce que j'ai acheté d'autre. Voilà. Mais tu joues à quoi? J'avoue, j'ai poncé un peu FIFA. Okay. Ça m'a vite saoulé quand même. Et honnêtement, j'étais bien content de reprendre. Ouais, ça se finit jamais ça. Mais j'étais bien content de reprendre du coup un peu d'activité avec Martin, des maps, d'accueillir des artistes. Donc, en fait, on a bien bossé, ça nous occupe. Hein. Donc, ça fait passer le temps. Et en tout cas, ça. C'est utile. Ouais, franchement, au début, on se posait la question si vraiment ça allait marcher, si les gens allaient nous suivre, allaient pas être vénères d'avoir trop de spam dans leur feed. Mais en fait, ça a marché. Franchement, ça a grave marché. On est super content du résultat. Il y a de plus en plus de super émissions comme Good Burning Sacré qui se montent. Une magnifique transition pour les autres émissions que du coup vous accueillez ici. Voilà. Donc, notamment le Chevry Show. Il y a Club Azur, Chevry Agency, le Chevry Show. Il y a plein de belles émissions. Les Chevry Show, c'est classe. Ouais, franchement, c'était chambé. Ça se passe sur Twitch d'ailleurs. N'hésitez pas à aller vous abonner à leur chaîne. Il y a aussi Boxon TV avec Synapson qui a été trop. Qui a commencé. C'était quand? C'était avant-hier. Avant-hier. Jeudi. Ok. Je parle à la notion du temps total. Du coup, ça se passe comment pour débarquer ici, faire une émission? Comment ça se passe? Je pourrais te poser la question d'ailleurs. Tu peux nous le dire. Ok, très bien. Non, mais en vrai. En gros. On est ouvert à tous, quoi, presque. Ouais. Mais en fait, on a fait un appel à contribution, là, un peu, nous aussi. Je ne sais plus quand c'était, mais pendant l'été. Enfin, bref, en tout cas, on a demandé. Il y a l'émission d'Anat aussi. Oui, Anat, fais la promo de ton émission après. Okay, mais en gros, comment ça se passe? En fait, on a demandé aux gens. Enfin, voilà, on a expliqué le projet de la radio et s'il y a des gens qui voulaient venir nous rejoindre et proposer des émissions, proposer des contenus et tout, on était ouvert à tout parce qu'on avait besoin aussi de coups de main à ce moment-là. Ouais. Et il y a eu pas mal de réponses et je pense que ça a donné envie à certaines personnes de nous rejoindre et donc notamment tu vois, enfin ton émission quoi. Et l'idée c'était faire grossir notre programmation et offrir notre lieu et nos moyens techniques hollywoodiens. Et votre expertise. Non mais c'est vrai. Regarde, on parle tout à l'heure d'une caméra webcam toute pétée à aujourd'hui. 4 caméras, une quinzaine de techniciens. Ouais, c'est ça. Bah, Steven Spielberg, d'ailleurs, qu'on remerciera. Merci à toi, Steven, d'être présent pour la réal. JB Spielberg. JB Spielberg. Merci beaucoup, JB, d'ailleurs. Et du coup, ton émission, Anat, parle-nous-en. Ah, alors mon émission, j'ai une émission tous les lundis à 18h en direct sur ma radio, du coup, Prose, et sur Le Sacré, la radio du Sacré. Alors au début, on le faisait aussi en vidéo, mais en fait, on s'en fout. Donc c'est que l'audio sur la radio. Et l'idée, c'est tous les lundis, une sélection de vinyles. Okay. Y a beaucoup de, c'est très varié, c'est-à-dire que c'est pas une heure et demie de house ou une heure et demie de funk, quoi. C'est vraiment, il y a 3 morceaux de funk, 2 morceaux d'italo, enfin c'est assez groove, tu vois. Sans transition, quoi. Ouais, il n'y a pas de transition, on ne se fait pas chier à mixer ou quoi que ce soit, c'est pas le but, c'est juste on écoute une sélection de vinyles en fait. Okay. Et c'est tous les lundis en direct à 18h, ça s'appelle Enlarge Your Playlist. Voilà. Qui est le slogan de Prose FM. Hein. Qui est le slogan de la radio Prose. Et voilà. Et, c'est une et pourquoi, pas, pourquoi pas alexandrin.fm? Alors parce qu'en fait justement c'était l'idée de Prose. Mais l'idée pourquoi Prose? Parce qu'en fait Prose c'est un art libre mais qui reste esthétiquement intéressant. C'est-à-dire la prose c'est il y a peu de règles mais c'est quelque chose de beau à la fin. Okay. Et Prose c'est pour ça que ça s'appelle bon. Prose, c'est que en fait on n'est pas là pour se prendre la tête, il n'y a pas vraiment de règles et c'est assez à l'image de l'émission. C'est-à-dire qu'en fait si tu veux moi je veux ne rien m'interdire, tu vois, il y aura des morceaux afro, disco, funk, tout ça et
sans trop de règles, mais en revanche de qualité. Okay. Et ça s'appelle, pour ça que ça s'appelle prose. Est-ce que pour la prochaine émission, tu peux mettre le vinyle dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire les ouais, samples. Je sais pas, c'est quoi les samples. Ah, les samples de films érotiques. Ouais, ouais. Bah, si tu veux, lundi, je l'apporte. Ok, nice. Okay. Voilà. À un moment de, on pourra peut-être l'intégrer dans un jingle, le pont autoroute bah, par c'est Anat. Simple, avec... c'est 150 jingles, 150 extraits de films X. Donc c'est des, c'est, enfin il y a 150 petits tracks de 3 secondes quoi. Mais c'est que des. Je pense qu'il y a moyen de bien rigoler. Ouais. T'en fais un jingle, ça peut être vraiment des. Ah, tu voulais le pad tout à l'heure avant de. C'est ça. Ouais. Toi tu l'es. Bah, du coup j'ai ni le pad ni le beau micro. Pas grave. Ah merde. Coup dur, coup dur. Du coup, c'est vraiment l'école du micro d'argent, quoi. Ouais, c'est Calimero, quoi. Ouais. ok. Et alors, donc du coup, on parlait des lives. Est-ce qu'il y a peut-être d'autres émissions qui vont débarquer, peut-être un petit peu de teasing sur de votre côté. Il y a aussi, j'ai oublié de parler de bavardage avec avec Massir, okay. qui va faire une émission tous les mois. Il y a les Groove Boys Project qui font leur émission tous les dimanches. Aussi. Okay. Groove Boys Project Radio Show. On a une émission avec Pauline aussi. Ouais, Entrevue Techno. Pauline Jacquin, Entrevue Techno, du talk, mais plus poussé, vraiment très, assez technique, mais très intéressant, avec des invités souvent géniaux. Genre, je pense à Jean-Yves Leloup, qui a écrit des bouquins sur la musique électronique. Et, okay. En tout cas, il y a plein de nouvelles émissions en préparation. Dont d'autres qu'on ne va pas trop dire, on va laisser un peu de suspense. Ah, le teasing. Tu penses à lequel? Non, il y a les feux la nuit aussi qu'on n'a pas parlé, les feux la nuit pour vraiment en fait, soutenir le monde de la nuit qui est éteint. Ça, c'est vraiment une idée géniale encore. C'est la meilleure idée de Anat et Martin, la créativité incarnée. Tu me demandais comment on crée, bah, c'est simple, tu nous laisses deux minutes. On discute 30 secondes, bim, on a un projet, les gars, c'est incroyable. C'est parti du premier couvre-feu qui était de 21h à 6h du matin. Et ça s'est décidé 24h avant. C'est vraiment. Ouais, aidé par les l'émission des Rotary aussi, Rotary Fun Lab, qui ont une matinale tous les vendredis matin. Il y a plein de matinales aussi. Ouais, et en fait, c'est eux qui nous ont un peu soufflé l'idée parce qu'ils voulaient faire faire une émission all night long. Okay. Et en fait, on a rebondi sur ce côté couvre-feu et on a fait un jeu de mots de ouf. C'est ouf, de ouf. Enfin, un jeu de mots de ouf. Feu la nuit, franchement. Ça marche de ouf. T'as compris le double sens? Ouais. Feu la nuit, genre la nuit est morte. En double sens. Ouais. La nuit est morte, ouais. Feu la nuit. Feu la nuit. Et couvre-feu. Ah putain, non, mais non, très fort, très fort, très fort, très fort. Putain, ouais, pardon. Oui, oui, ça c'est beau. Avant tout, c'était surtout pour faire la teuf. En fait, de 21h à 6h. Merci pour ton honnêteté. Faut surtout pas dire. En fait, on cherchait un moyen. De... C'est un beau vendeur de projets. Non, mais en plus, je tiens à préciser qu'on était effectivement deux. On n'a pas encore expliqué le concept de Feu la nuit. Quoi. Et donc, le concept de base, c'était proposer une émission en direct pendant toute la période du All couvre-feu long. Ok. Donc, c'est vrai que All couvre-feu long, c'est un peu naze comme nom de. Bah, ça restait quand même notre signature, mais c'est pas grave. C'est à l'image de mon micro. Non, mais Feu la nuit, c'est plus joli que en nom de l'événement. Ah oui, oui, c'est ça que je veux dire. Non, mais bien sûr, bah, rattrape-toi. Mais non, mais c'est de la musique. Ça, c'était un slogan. Non, mais c'est le All couvre-feu long, c'est le Just Do It de Nike, tu vois. Ah, ok. En mieux. Ouais, ok. Et donc, on jouait de 21h à 6h du matin. Non, de 20h58 à 6h01, pour être légalement dans les règles. Ok. C'est-à-dire, on s'est enfermé là à 20h58, on est reparti à 6h01. Ouais. Totalement. Meilleur couvre-feu pas possible. Sabre. Ouais. Et ça, on l'a fait, on le faisait bah, tous les samedis ou tous les vendredis. Tous les samedis d'abord. Ouais. Voilà. Ok. Et là, c'est vrai qu'on en fait un peu moins parce qu'il y a. Il y en a un qui est en prévision qu'on a dû décaler, mais qu'on peut annoncer parce qu'il va se refaire, je pense. Ouais, il y a les mecs de déco qui vont faire un feu la nuit là, dans les prochaines semaines. Mm-hmm. C'est pas trop quand encore, mais voilà. Ok. À savoir aussi, du coup, vous avez aussi votre application mobile. Ouais. Du coup, on peut tout retrouver. Comment vous avez fait pour développer une application mobile? Une application mobile, excusez-moi. C'est un template. On bosse avec eux en fait pour la radio et c'est un template qu'ils mettent à dispo. Et c'est un template qui est assez facile à utiliser parce que c'est du HTML. Donc en gros, ça se code assez facilement. Ok. Et ça marche bien. Et en effet, sur l'appli, tu peux retrouver forcément la radio. Et puis toutes les émissions, tous les podcasts, voilà, y a tout sur l'appli. Et on vous encourage énormément à télécharger fort. Télécharger Sacré est dispo sur l'Apple Store et sur le Play Store. Ouais. Et je pense que, enfin, je pense, non, j'en suis même sûr, mais quand on pourra rouvrir, on va grave s'éclater avec cette appli. Et je pense qu'on va ramener plein de trucs. Vous allez faire quoi du coup quand ça va rouvrir? Bah, il y a plein d'idées là. Pour le coup, on est encore en train de réfléchir, mais tu vois, j'imagine bien
pour pousser les gens à télécharger. Déjà qu'elle donne, pourquoi pas, même des accès gratuits, des réductions. Je peux flasher tes places comme ça, ouais. Et puis voilà, on va balancer des pushs à 3h du mat. Tous ceux qui ont l'appli, qui sont dans le sacré, on vous paye un shot maintenant, quoi. C'est le bordel au bar. Hein. Ouais, mais ça, ils ont l'habitude. Ouais. Et puis, bon, ça fait 2 ans qu'ils n'auront pas bossé, donc ça leur fera pas de mal de temps en temps, quoi. Salut à toi, Lud Hugo. Merci d'être présent sur ce live. Bonjour, Lud Hugo. Bonjour. Je le connais, c'est un pote. Donc, Ah, d'accord, parce que tu as dit une manière très. Ah, non, bien sûr, non, c'est un pote. Ok. Bien bienvenue. Bienvenue sur. Oti, je crois que tu avais un petit truc, tu nous as préparé un petit truc. Tu veux qu'on fasse les devinettes ? Allez, vas-y, fais partie des devinettes. On va un peu parler, on va faire des petites devinettes sur les événements qui se sont vraiment passés ou non en 2020. En mode un fointox, quoi. Voilà, c'est ça, exactement. Bah, déjà, il n'y a rien qui s'est passé, donc. Ouais, ça va bien. C'est pour ça la fin du jeu, quoi, merci. Les événements. ça va être annulé. Je regarde pas. Ouais, faut pas regarder. C'est ça qu'il connaît tout, lui. Qui, moi, ouais, c'est pour ça que j'ai essayé de m'éloigner un peu de ce que tu pourrais connaître, donc ça va aller. C'est bon, je connais pas grand chose, ça a pas dû être dur. L'anti-léchage de cul. L'humilité incarnée. Bon, pour faire simple, par exemple, je vais vous poser une question pour commencer. Est-ce que, du coup, Lioron, en Bretagne, on a entendu parler de cette petite ville à cause d'une rave party organisée pour le nouvel an? Ça, c'était ta question simple? Ouais. Vrai? Oui, vrai. Okay. Oui. Ouais. Ouais. Ah oui. Bah bien sûr, j'y étais. Ouais, ouais. T'y étais ? Non. Ok. Est-ce que l'ami Ricardo Villalobos, pardon, nous a aidé à nous détendre et à se détendre au passage grâce à des tutos yoga pendant le confinement ? Totalement vrai. C'est vrai ? Pas du tout. Non, c'est impossible. Je sais pas. Imagine. Je sais pas si c'est vrai, c'est ouf, mais ça m'étonnerait. Aucune idée. Je donne ma langue à Ricardo. Non, c'est pas vrai. Malheureusement, c'est faux. Vu qu'il nous écoute, je pense qu'il va forcément, ça doit l'inspirer. Et je pense qu'on tuto yoga sur. Par contre, c'est Flaubert qui, avec son nouvel album Layers, qui a fait des cours de yoga. Ouais. En fait, il y a une prof de yoga qui a passé son album pendant les cours de yoga. Ah, chambé. Trop bien. Trop stylé, ça. Ricardo, ça passe beaucoup tout de suite en image. Ouais. Flaubert, c'est le nouveau Ricardo Villalobos. Ok. Okay. Est-ce qu'en décembre, GTA a sorti une version online où il est possible d'aller danser virtuellement avec des DJ mondialement connus ? Oui. 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 Je crois qu'il y avait Solomon. Il y a Minecraft aussi. Fortnite. Il y a eu des concerts virtuels sur Fortnite. Il y a Moody Man. Il y a le tourne-disque, je crois. Ouais. Il y a Pound City Music aussi. Ouais. Ce rire. Il était sorti avec le cœur. Ouais. Est-ce que deux papys, qui pourraient être nos papys à nous, ont été retrouvés à une free party dans les Landes après avoir fui de leur maison de retraite ? Oui. Je n'ai aucune idée, mais franchement, ce serait fou. En vrai, je crois que oui. Non, j'aimerais tellement vous dire oui maintenant. Merde. Vas-y, on dit oui, on s'en fout. Mais ouais, il n'y a pas d'huissier, ou, tu vois. Non, ouais, j'avoue, c'est vrai. Maître Capello. Est-ce que Carla Bruni a proposé à des soignants de venir chanter pour eux l'année dernière dans leur hôpital? J'espère pas pour les pauvres. Et que ces derniers ont refusé la proposition. Je suis sûr que c'est vrai. Moi, je dis que c'est vrai. Bah, du coup, c'est les deux petits vieux qu'on a retrouvés à la prison. C'est vrai, et ils auraient même dit notre situation est assez douloureuse. C'est génial. J'adore. C'est pas ouf. Voilà. C'est pas gentil, je trouve. Ah, c'est pas très sympa. Faudrait inviter Carla Bruni dans ta prochaine émission. Avec grand plaisir. Je lui envoie un DM après. Voilà. Pas de soucis, salut Carla. Dernière question, est-ce qu'un festival pilote a été organisé en 2020 rassemblant DJ et public qui devait se faire tester à l'entrée afin de pouvoir participer au festival? Tu parles du concert en Espagne, ouais, à Barcelone. Oh fort, ouais. Bien. Comment s'appelait le festival? C'était les gars de Primavera qui ont fait un concert test pour voir un peu comment réagit les bon, après ça devient un peu technique, quoi, mais comment le virus se propage dans l'air avec des gens qui dansent, je crois que c'est un peu ça l'expérience. Ouais. L'idée c'est de faire un test à l'entrée, et si ton test il est négatif, tu peux rentrer au festival. Et c'est un test dans le sens où, du coup, est-ce que ça pourrait être mis partout dans les autres, mais là ils vont le faire à Marseille d'ailleurs. Ouais. C'est pour ça. Et aussi à Paris, je crois, j'ai cru voir passer un article. Je comprends pas, parce que ça sert à rien, ils sont testés 2 semaines avant. Si tout le monde est testé négatif, en fait, forcément que tu vas pas choper le Covid. Test PCR is the new physio de la boîte. Pas trop capté, c'est un truc de passeport pour rentrer en boîte, quoi. Parlons-en du passeport vaccinal, est-ce qu'on en pense? Ça fait peur, mais ça va arriver, je pense.
Malheureusement. Peut-être que ça va être la condition sine qua non pour ouvrir. Waouh, sine qua non. Ça a été placé un samedi matin. A contrario. ok. Et merci. C'est tout, c'était ma dernière question. Merci beaucoup, Tilly. Merci. On va partir vite fait sur trois dernières questions avant d'accueillir Kazam qui va nous faire un petit live. Alors, moment nostalgie. Hors caméra, il est trop chaud. La meilleure date en tant qu'artiste ou en tant que client que vous ayez pu faire, pardon. En 2020 Non, dans ta vie. Dans ta vie, quoi, en entier. Oui, en 2020, c'est compliqué. Moi, c'était en 2020, à Berlin, mec. Ouais, c'est vrai que Berlin, c'était fun. Anna de Berlin. Moi, j'ai un souvenir au Pigalion. C'était vraiment la folie en after. On vient mixer à partir de 6h à 8h. Ok, j'en ai. C'était juste n'importe quoi. Incroyable. Ouais. Ok. Martin ? La meilleure date, quoi, la meilleure soirée club en fait ? Enfin, que t'aies vécu ou que où tu as mixé. Bon, mixé peut-être la réponse, on la connaît déjà. Franchement, c'est les meilleurs souvenirs, ça. Ouais. Il y en a tellement. Si, moi j'ai une date qui m'a particulièrement marqué parce que je suis ultra fan de cet artiste qui s'appelle DJ Cause. Okay. Et j'ai réussi à le convaincre de venir jouer au Badaboom sur notre soirée du dimanche soir. Et c'était incroyable parce que le line-up, c'était DJ Cause et... merde, comment ça soirée mémorable. Apparemment. Le gars qui fait du son avec lui tout le temps, là, l'américain. J'ai trop de mémoire. American Boy. Non, pas bon. Non, pas Herbert, mais il s'appelle Matthew... Bref, c'est un énorme artiste aussi. J'ai un trou de mémoire de ouf là tout de suite. Et en fait, je me souviens parce qu'on était... Mathieu Dier, non ? Exactement. Merci Flo. Merci beaucoup. Bravo. 10 points. On était au resto tous les trois. Et Cause, il me fait, bon alors, qui commence ? Et en fait, j'avais pas prévu de line-up. Je me dis, bah en fait, les gars, vous êtes tous les deux toute la nuit, donc c'est comme vous voulez. Quoi. Kiffé, ouais. Et en fait, personne voulait faire le warm-up de l'autre DJ. Donc en gros, on fait un back-to-back de 7 heures et c'était complètement fou. Enfin, cette soirée était incroyable. Et c'est l'avantage des soirées du dimanche, c'est que t'as qu'un public de connaisseurs et de kiffeurs qui étaient là. Il y avait vraiment une ambiance de ouf. Quoi. Ok, très bien. Ça, c'est un bon souvenir. Ouais. Et après, on a fini en after dans sa chambre d'hôtel où il y avait une piscine. C'était trop cool. Voilà. Ça, c'est sûr, mais plus oui, la fin. Des jusqu'au bout. Ouais. La meilleure partie de la soirée. Petit, ton meilleur souvenir, cool, meilleure soirée que tu as pu faire. Toi. Ok. À part si tu es DJ et que je ne savais pas. Ouais, non, pas trop. C'est pas du tout, ça finit pas dans des piscines en after. Mais, c'était un anniversaire quand tu avais 14 ans. Il y avait ma maman, mon papa, tout le monde était là. Il y avait un gâteau au chocolat. Moi, quand j'ai eu des Tortues Ninja à 8 ans, je te jure, j'étais comme une balle, mes petites. Mais ouais, je comprends. Du coup. Bah, il y avait un artiste qui m'a un peu bercé dans la musique depuis très jeune. Je pense que c'était Aphex Twin. Ok. Et du coup, un jour, je l'ai vu et j'étais tellement folle que j'étais comme ça, genre je bougeais pas pendant tout le concert, c'était trop cool. J'en mets. Le meilleur guest à avoir si demain vous deviez jouer, si demain tu étais une artiste ou demain si tu joues, quel guest avec qui tu aimerais jouer Anat. Ok. Léchage de cul, le retour. La vache. C'est ce que je voulais dire. My mind's telling me no. Voilà. Promis les gars, on fera un truc ensemble. Vraiment, trop moi et c'est jure. Promis. Du coup, Tilly, toi, si demain c'était un artiste avec qui tu aimerais jouer, un guest. Ton guest. Tain, dommage que j'ai sorti la carte Aphex Twin. Parce tu peux le redire si jamais. Quand il est devant ses machines, comme un. Villalobos, non ? Je sais pas si j'arriverai à le suivre jusqu'au bout de la nuit, Villalobos, mais pourquoi pas. Ok. Je pense pas. Martin. Carla Bruni, direct. Pareil, il y en aurait plein, mais il y a un mec que j'aime. C'est Jules. Martin, c'est Jules. Jules ? Jules. Ouais, Jules, tu veux dire Jules, ouais. Ouais. Ah. Ouais, pourquoi pas, bah, je pense que il est en Y. Par contre, Jules est en Y. Jules est en Y à Marseille. Jules, sacré, je pense que ça peut marcher. Hein. Franchement, à tester. Je suis pas sûr. Peut-être. Ouais. Faut voir. Jules, il marche pas de toute façon. Non, je sais pas. Kazam, on va dire. Incroyable. Kazam, mais ouais, Luciano, je suis un grand fan des débuts de Luciano et ça me ferait bien plaisir de l'inviter un jour, mais c'était un peu compliqué. Mais. Et Anat ? Il a réfléchi à sa connerie, t'as eu le temps en plus. Bah non, ouais, faut forcément que je sorte une connerie. Oh, tu peux dire ce que tu veux. Bah donc ce sera une connerie. Non, je rigole. Non, vraiment, tu me dis, genre, un Nina Kravitz. Back, ouais. Un guest avec qui tu kifferais jouer Bah, les Daft Punk. Ah ouais, ça peut être aussi. Les Daft. Si, ouais, Daft. Tu me dis, t'as pas de limite. Bah ok, les Daft Punk. Ok, très bien.
Banco. D'ailleurs, ils nous, nous écoutent. D'ailleurs, ils nous écoutent. D'ailleurs, merci, merci de nous écouter, les Daft. Donc, comme on le disait tout à l'heure, Good Morning Sacré, c'est à la fois un talk et c'est à la fois aussi de la musique. Et ce matin, j'ai l'honneur et le privilège de recevoir Kazam, artiste et producteur Lofi et House, qui a signé il y a quelques temps chez Vagra Music. Bravo à toi. Qui est aujourd'hui en termes de stats à plus de 48 millions de streams sur Spotify, félicitations, et qui a passé sur les antennes du Sacré d'ailleurs. Exactement, pour un live il y a quelques temps, il y a 2, 3, 4 mois peut-être, enfin bref il y a quelques mois, et qui a plus de 928 000 auditeurs ce mois-ci au mois de janvier, c'est juste incroyable. Il est Bravo. Très fort. On va tout de suite écouter deux extraits de Kazam que j'aimerais vous faire découvrir avant ce live, c'est-à-dire Riesling. Et un morceau un peu plus house qui s'appelle Paradis et qui a été filmé en live au Fluctuart. Et ce matin, nous l'accueillons donc pour un live sur machine sur sa SP404. Comment ? Un live dominical, même samedi canal, presque. Non, t'as un micro ou pas ? Il a pas de micro, Kazam. Il va arriver, mais attends, viens Thomas. Viens, je te prête mon micro pourri. Quelle générosité. Bonjour Thomas, comment ça va ce matin ? Bonjour, ça va très bien, merci. Donc un live, comme je disais, dominical, très tranquille. Ça va commencer très doucement. Et quand je serai un peu plus réveillé, on accélérera. Ça va être chillax. Ça va être super. D'ailleurs, Thomas qui a sorti un live d'ailleurs sur YouTube, donc n'hésitez pas à aller checker sa chaîne YouTube, ses réseaux sociaux, bien évidemment. Génial. Ouais, live à Versailles et un petit live dans son petit studio avec ses petites machines, très stylé. Ouais, il faut, hein, vu que peu de clubs, donc le studio reste le meilleur endroit pour faire de la musique. Ok, parfait. Eh bien, Thomas, je te laisse te mettre en place. Nous allons tout de suite lancer le live. Changer les caméras. Let's go changer les caméras. This is 50th Street. Transfer is available to
I'm sitting in the crib dreaming about Learjets and coupes, the way salt shoots and how to sell records like Snoop. I'm interrupted by a doorbell, 352. Who the hell is this? I get up quick, cocks my shit, stop the dogs from barking, then proceed to walk in. It's a face that I've seen before. My nigga sing, he used to sling on the 16th floor. Check it. I look deeper, I see blood up on his sneakers, and his fist gripped the chrome for fifth. So I dip, nigga, is you creeping or speaking? He tells me C-Rock just got hit up at the Beacon. I opens up the door pitiful, is he a critical retaliation? But this one won't be minimal, cause I'm a criminal. Way before the rap shit, bust the gat shit. Fuck won't even know what happened if it's done smoothly. Silences on the Uzi, stash in the hootie. My alibi, any cutie, with the booty that done fuck Big Pop. Head spinning, reminiscing about my man C-Rock. Somebody got to die.
Pour ce live, c'était incroyable. Un big up pour Kazam, s'il vous plaît. Ouais. Qui va nous rejoindre pour cette fin d'émission à côté de notre cher Anatole. Eh bien, écoutez, merci à toi, Thomas, d'être venu ce matin pour nous réveiller en douceur. C'était merci top. Merci à toi, merci à vous de m'avoir reçu. C'était très, très sympa. C'était un plaisir. Merci à toi, Anatole. Encore une fois, bravo pour tous ces projets. Et on va vous faire un petit jeu pour gagner. Une affiche et un bouquin, un exemplaire d'annulé. Ouais, exactement. Merci. Bah, merci à toi de nous. Putain, c'est ouf, je t'as m'entends pour la première fois. T'es content avec ton micro, ça y est. J'ai enfin le beau micro. Le beau micro. Putain, qu'est-ce qu'il faut pas faire, quoi. Faut offrir des bouquins. Donc, effectivement, merci pour ton invitation. Et c'est normal. Et merci à tout le public d'être venu. Et bravo. Effectivement, on va faire gagner des affiches Let the People faire la fête et des bouquins.
Chambé. Très bonne idée. Alors comment, je sais pas, ça doit dans les modalités sur les jeux, sur les réseaux sociaux. C'est comme sur TF1, t'envoies un ou deux aux 60. Mais ça, bientôt, on va mettre une hotline, t'inquiète. On aura une standardiste qui dira. On aura des... Bref, on verra. Okay. Setup à prévoir pour la suite. merci à toi, Martin et Flo, d'avoir rendu cette émission possible. Merci pour votre confiance. En tout cas, t'es chambé. Merci à toi pour tes vannes, c'était génial. Ça merci, travaille. Merci pour les jingles. Ah, jingle. Mais attends, il y a encore trois pads à travailler pour avoir des jingles et tout. Bravo pour une première émission, c'était vraiment génial. C'était merci. Au poil. Bravo. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci à toi, Tilly. Bravo pour les invités, parce que franchement, c'était super intéressant. Non, mais en vrai, vraie anecdote. Bravo à nous, bravo à nous. Ouais, bravo à vous, les gars, bravo à vous. Oui, oui, oh, ça c'est beau. Ça c'est beau. Donc voilà, merci à tous d'avoir suivi Good Morning Sacré, la première. N'hésitez pas à vous abonner sur les réseaux sociaux de Sacré, de Paris 2. N'hésitez pas à télécharger l'application Sacré, bien évidemment, pour vous tenir au courant de tous les lives musicaux. Celle de prose aussi. Et j'allais y venir. Et celle de prose, bien évidemment, suivez Parade Studio également, suivez Kazam aussi, donnez la force à ces jeunes artistes pleins de talent, donnez la force aux lieux qui en ont besoin en ce moment, et dans tous les cas, on se retrouve très très vite pour une deuxième de Good Morning Sacré. Merci à tous, et je vous souhaite une très belle journée. Madame, monsieur, bonjour, et bienvenue à bord. Welcome aboard, ladies and gentlemen. Vous êtes officiellement les pas bienvenus. Morning Sacré. Ta matinale de quartier. Animé par Valentin. Le tout en direct de Sacré.